Eh bien salut tout le monde, c'est Warzone pour une toute nouvelle vidéo, donc une petite vidéo de glitch sur Advanced Warfare qui vous servira à pouvoir transpercer n'importe quel mur sur n'importe quelle map sur Old Gen et Next Gen grâce à un colis. Donc là je vais vous expliquer tout de suite la manipulation, mais juste avant je vais juste vous parler de l'introduction de la glitch Jack FR. Donc je tiens à envoyer ma vidéo à la glitch Jack FR pour qu'il upload. Donc je leur dis un grand merci s'il m'upload. Et pour ceux qui voient la vidéo sur la glitch Jack FR, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne car je fais vraiment beaucoup de glitch avant de Advanced Warfare et aussi sur GTA. Donc là comme vous voyez je vais faire la version solo, donc il y a deux versions pour pouvoir se faire des points. Donc soit vous mettez de la capture de drapeau et vous prenez les drapeaux pour vous faire des points. Et donc dans les paramètres vous mettez en illimité bien sûr pour pas que la partie se termine. Sinon vous avez la deuxième technique où vous devrez tuer votre pote. Donc votre pote qui se laissera tuer et vous pourrez gagner un colis. Donc en fait je vais vous expliquer, donc au niveau de la classe il n'y a rien du tout de spécifique à mettre à part le colis stratégique plus l'atout livraison de drone. Donc un atout qui ressemble à un tourbillon, donc c'est pour améliorer le colis et pour qu'il vous suive aussi. En fait cet atout vous sert à... Bah, le colis va vous suivre. Donc là en fait on va tout de suite faire la manipulation. Donc là comme vous voyez j'ai envoyé mon colis stratégique et là regardez bien sur la minimap. Je me suis mis sur le rond du colis. Là j'attends que le colis avance et là j'avance en même temps. Donc là comme vous voyez c'est vraiment très très chaud à réaliser. Donc je vais pas y arriver du premier coup. C'est surtout pour vous faire voir comme quoi c'est quand même assez compliqué un glitch comme ça. Je vais pas vous mettre le glitch déjà réussi d'un coup et que vous comprenez rien. Donc là comme vous voyez c'est vraiment la grosse galère pour réaliser ce glitch. Par contre après si vous avez pris le coup de main vous y arriverez de mieux en mieux, mais par contre il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir le réaliser en ligne, même si je vous le déconseille car il y a beaucoup de risques de ban. Donc là je vais prendre les drapeaux, je vais redébloquer le colis stratégique et là normalement cette fois-ci je vais y arriver. Donc c'est vraiment un glitch ultra sympa à réaliser en privé. Donc là comme vous voyez là je me mets sur le petit curseur du point d'interrogation sur la minimap au niveau du colis. Donc là vous vous mettez vraiment bien comme moi et là vous avancez en même temps du colis, bah, en même temps que le colis avance et là normalement vous allez wall breach. Donc là comme vous voyez j'ai vraiment wall breach cette porte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et je vous dis ciao bye bye tout le monde.